Bonjour à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, on va tester un petit blaireau, un vrai poil de blaireau, le Mulet 2020. Allez, c'est parti. Ok, alors, ce blaireau, hein, je vous le montre de plus près, en pur badger, il est en bois de frêne, si je ne me trompe pas. Sa base, la touffe à la base, elle fait 21 mm. Il est assez léger, un poil relativement doux, quand même assez rigide. Voilà, il est gravé en dessous ce mug. Voilà. Ok, allez, j'ai trempé mon blaireau. Ouais, encore un peu de flotte. Ok, j'ai aussi trempé mon savon. Allez, on va faire monter le savon avec le blaireau. Je passe au mulet, voilà. Le blaireau est assez sec, je vais peut-être ajouter un peu de l'eau après sur le visage. Même tout de suite, je dirais. Allez, comme d'hab pour tester un blaireau, montage directement sur le visage. Alors, il a bien récupéré le savon. Par contre, il n'est pas assez mouillé, je crois que je vais mouiller un petit peu plus. Ouais, c'est mieux. Alors, premier avis, un chaud comme ça. C'est vraiment. On voit la différence quand même entre des poils synthétiques, des poils de sanglier et des poils de blaireau. À chaque fois que j'utilise des poils de blaireau, moi, ça me fait vraiment penser à des éponges. Vous voyez, ça récupère super bien la mousse. Regardez voir le résultat impeccable quand j'applique. Assez agréable sur la peau. Voilà pour mon premier passage, ma première application. Voyez ce qui me reste sur le blaireau. Donc, je vais me raser et après je vais revenir. On va retester d'appliquer le savon directement sans le recharger, sans le réhumidifier, pour voir si ça a bien gardé le temps du rasage, le savon et l'eau dans le blaireau. Ok, me revoilà. Allez, deuxième passe, on va essayer directement avec le blaireau sans recharge, sans humidifier de nouveau. Allez, c'est parti. Franchement, il a super bien gardé le savon. Il a bien gardé l'humidité aussi, mais il manque un petit peu d'eau quand même. Donc,
je l'ai rechargé en eau. Voilà, ça devrait le faire. C'est une belle mousse. J'ai mis une mini goutte d'eau, vraiment. Elle a vraiment bien gardé quand même l'humidité, ce fleuron. Franchement, vraiment vraiment bon. J'ai vraiment à peine rajouté une goutte d'eau, hein. Vraiment pas grand-chose. Au niveau savon, il a bien imbibé. Au niveau, j'ai rajouté vraiment une mini goutte. Franchement, voilà, nickel. Ok, petit bilan avec ce blaireau. Franchement, blaireau, très bonne qualité. Ce mug, moi je suis fan vraiment de cette marque. Autant que ce soit du poil de sanglier ou de cochon, du poil de blaireau. J'ai pas encore essayé des poils synthétiques chez eux, je sais pas s'ils en font. Franchement, rien à dire, c'est vraiment du très très bon travail. Il le garde super bien le savon. Il faut juste rajouter en chaque passe un petit peu d'eau, mais vraiment pas grand chose. C'est un blaireau que je conseille vraiment à tout le monde, que ce soit aux débutants, aux gars qui aiment habitués, aux gars qui aiment bien le poil de blaireau. Franchement, n'hésitez pas. Ok, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimé, mets un petit pouce bleu, écris un petit commentaire si ça te fait plaisir. Si t'es pas abonné, n'hésite pas. Et surtout, partage ma vidéo. Allez, salut!